j'aimerais pour commencer la soirée que vous nous expliquiez simplement comment, quel est votre parcours pour arriver jusqu'à l'INRA, là où vous êtes rencontrés et là où tout a débuté. Alors, effectivement, nous nous sommes rencontrés à l'INRA. Moi, je suis dijonnaise, mais d'origine italienne. Et je travaillais à l'INRA, dans la station de la qualité des aliments de l'homme. Et Claude est arrivé en 1976 dans une autre station, microbiologie des sols. Et on a commencé à parler, à aller au cinéma, discuter de certaines choses. Voilà. Et puis, on s'est mis ensemble. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'atouts communs au niveau de la nature. Bon, Claude parlera pour lui, mais c'est vrai qu'il était beaucoup plus du fait de son passé, avoir beaucoup voyagé sur la notion de nature, biodiversité, respect des sols. Moi, de famille extrêmement modeste, c'est vrai que j'avais très très peu bougé, mais j'ai des souvenirs quand j'étais en classe. En sixième, on faisait de la botanique et je me disais, la nature, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, voir ses fleurs et tout. Et voilà, on a fait un parcours. Et pourquoi on a quitté? Parce que en 1900, déjà, on est parti aux États-Unis. Claude et moi, on voulait aller voir d'autres choses. Donc on est parti en 1983 aux États-Unis avec nos deux enfants. On avait des enfants pas bien grands. Donc ça a été un moment assez difficile. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, en 1983, c'était le moment où le dollar était je ne sais combien. À 10 Et francs. voilà. Et le franc était très bas. On est parti qu'avec le salaire de Claude parce que moi, je n'ai pas pu faire d'année sabbatique. Donc on est parti à quatre aux États-Unis avec juste le salaire de Claude. Ça a été un peu dur. Mais quand on est rentré, on s'est dit, on peut plus. Il y avait quand même un esprit de liberté, de confiance dans les gens qui avaient un autre discours, une autre façon de voir. Quand on s'est retrouvé dans le carcan de l'INRA, bon, ça a commencé à être un petit peu difficile. Et puis en 83, on commençait à parler un peu plus, enfin dans des milieux underground d'écologie, d'environnement, de respect des sols. Donc c'est évident que là, on s'est engouffré là-dedans. Ça nous a valu pas toujours des copains au niveau de l'INRA. Et avec plusieurs personnes de l'INRA, on a voulu commencer, démarrer quelque chose sur l'écologie et l'environnement. Et travailler, montrer que si on respectait un peu plus le sol, eh bien, au niveau de la qualité de nos aliments, eh bien, on allait s'y retrouver. Donc il y a eu, et l'INRA cherchait à faire des programmes liés, ils appelaient ça des actions thématiques programmées, un truc un peu compliqué, où toutes les stations pouvaient apporter, faire quelque chose. Donc on était quelques chercheurs à se dire, eh bien tiens, on va faire une chose qui n'a jamais été faite, on va aller chez des maraîchers. Et travailler en paire, là, de façon totalement scientifique, travailler sur des légumes, la carotte, entre autres, et on va prendre des agriculteurs qui sont en biologie, qui n'utilisent pas des produits de traitement, et des agriculteurs qui utilisent des produits de traitement, des fertilisants, des herbicides. Et on est parti de l'agronomie, microbiologie des sols, faune du sol, arôme, qualité des aliments de l'homme. En fait, tout le monde était dans ce programme. Pour ne pas trop anticiper mes questions, parce que vous êtes déjà assez loin, mais c'est bien. On peut peut-être donner la parole à Claude. Voilà. Oui. Et en fait, quand on a donné les résultats étaient tellement, on dirait, probants pour le côté biologie, et ça n'a pas été publié. Donc là, on a dit, il faut partir. Et on a quitté l'INRA. On s'est rendu compte qu'il y avait. Oui, il y avait. Il n'y avait pas une honnêteté intellectuelle. On était l'INRA, en plus, avec Lydia, quand on s'est rencontré, l'INRA a changé de stade, c'est-à-dire au lieu d'être un institut national, il est devenu un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire que nous ne pouvions faire de la recherche que si on obtenait des contrats avec des entreprises. Donc évidemment, aller voir une entreprise, leur dire, voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pourriez financer notre recherche?
Bah, oui, on vous téléphone et puis on fera une grande bouffe. Hein. Ça, vous voyez, c'était pas évident. Donc on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre notre indépendance de chercheur. Donc on s'est dit, quitte à perdre ça, nous, on va créer notre propre entreprise. Alors c'est vrai que c'était un peu gonflé parce que on ne savait pas du tout, comme avec Lydia, on allait du sol jusqu'à la qualité des aliments, on ne savait pas du tout si ça intéresserait les agriculteurs. Les agriculteurs jusqu'alors étaient assez encadrés par un système agro-industriel et on ne savait pas du tout si les analyses que nous proposons, qui sont uniques, hein, qui restent toujours uniques d'ailleurs en Europe, puisque nous sommes les seuls à faire des analyses physiques, chimiques et biologiques des sols, c'est-à-dire donner un état du patrimoine de l'agriculteur. Et à partir de l'état de son patrimoine, c'est un peu, si vous voulez, comme un architecte qui dirait à quelqu'un qui est dans l'immobilier, ben voilà, votre charpente elle est pourrie, il va falloir changer ça, les fenêtres ça ne va pas. Donner l'état de leur patrimoine afin de leur définir des itinéraires qui permettre de restaurer le patrimoine, parce que l'agriculture est la seule activité économique de notre société qui décapitalise depuis 50 ans. Hein, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur des sols où, si on arrête les engrais, à une époque avant les engrais, les gens faisaient 20 quintaux, maintenant on n'en fait plus que 5. C'est-à-dire qu'il y a une forte décapitalisation dans l'agriculture. Donc notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre aux agriculteurs qu'ils ont un patrimoine, ce patrimoine, il faut le gérer. Et moins ils le gèrent, plus ils l'exploitent, puis ce ne sont plus des paysans, ils sont des exploitants agricoles, plus ils sont obligés de dépenser d'argent en engrais, en pesticides, pour faire fonctionner leur sol. Donc c'est une démarche qui est tout à fait curieuse, parce que eux, jusqu'alors, ils font des analyses qui sont d'ailleurs payées par les marchands d'engrais, et comme par hasard, il faut qu'ils mettent de la potasse, il faut qu'ils mettent du magnésium, il faut qu'ils mettent ça. Et nous, c'est complètement l'inverse, on leur dit, voilà, votre sol est dans cet état-là, et à notre avis, c'est là qu'il faut investir, parce que si vous ne gérez pas votre patrimoine, ça ira très mal pour votre fils, quoi. Et c'est vrai qu'apporter cette notion de gestion du patrimoine qui est claire pour un industriel. L'industriel, il sait qu'il doit gérer son entreprise et qu'il doit maintenir son matériel, son parc de production. L'agriculteur, on lui a retiré cette notion puisqu'on en a fait un exploitant agricole. Il est maintenant dans le secteur primaire de l'économie alors qu'avant, il était dans le secteur secondaire comme l'industrie. Il devait cultiver en bon père de famille, il devait gérer son patrimoine. Donc c'est une notion complètement... On est obligé de revenir, si vous voulez, 60 ans en arrière et d'expliquer aux agriculteurs qu'ils doivent gérer leur patrimoine. Et ça, c'est un peu notre travail. Si vous voulez, la plus grosse révolution de ce XXe siècle, c'est la révolution agricole, c'est l'industrialisation de la vie. C'est la grande erreur du XXe siècle, on a cru qu'on pouvait appliquer à la vie les mêmes règles que sur la matière. On a été tellement fascinés par les résultats de l'industrie, dans l'industrie, nous connaissons très bien la matière, nous connaissons ses lois, ses résistances, etc. Vous voulez faire un axe de camion qui doit porter 30 tonnes, vous savez exactement l'axe que vous allez faire. Et on a cru qu'on pouvait faire la même chose avec la vie. Or, il se trouve que la vie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe, puisque, pour vous donner une idée, dans un gramme de terre, vous avez à peu près 10 milliards de microbes, dans un gramme de terre. Hein. Donc, il y a 4000 tonnes de terre à l'hectare, donc vous imaginez la complexité. Et on a cru qu'on pouvait remplacer toute cette vie par des engrais chimiques. Et surtout, ces engrais chimiques sont issus de la guerre, il ne faut pas l'oublier qu'ils ont servi à faire les bombes. Et ensuite, on a les insecticides, enfin les pesticides, sont issus des gaz toxiques de la guerre. On a appliqué, en fait, c'est des grandes industries qui s'étaient enrichies pendant les deux grandes guerres mondiales, qui ont ensuite utilisé le sol pour évacuer leurs produits. Alors que ce n'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas tuer la vie du sol, c'est au contraire travailler avec la vie du sol pour que l'aliment soit de qualité pour l'homme. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre dans ce monde qui pense que... comme on développe la notion d'hors-sol, vous mangez des tomates hors-sol. Hein. Donc on se dit, on est plus fort que la nature puisque nous pouvons faire du hors-sol. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour faire du hors-sol, ou l'agriculture moderne, dépend entièrement du pétrole. Hein, il faut 36 calories de pétrole pour faire une calorie de tomate hors-sol. C'est pas généralisable. Hein. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que notre survie dépend d'une matière non renouvelable qui est le pétrole. Jusqu'alors, notre survie alimentaire dépendait d'une source absolument renouvelable qu'est le soleil. Et là, maintenant, nous dépendons du pétrole. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. Les gens ne veulent pas y réfléchir sur le plan philosophique. Mais faire dépendre notre survie alimentaire d'un produit non renouvelable, c'est très grave. Il va bien falloir qu'on revienne à une agriculture qui vive de la vie du sol et non pas du pétrole. Et ça, ça va faire un très, très gros changement. Hein. Donc, j'en reviens à mes vers de terre. Les vers de terre, on les a tués. Donc, en fait, comment on a fait pour tuer la vie du sol? On a mis de l'azote dans les sols, on a mis de l'engrais azoté. Il se trouve que la matière organique, elle a deux fonctions dans le sol. Elle a une fonction qui est de se transformer en humus grâce aux champignons. Et cet humus va s'attacher aux argiles pour former le complexe argilo-humique qui est le sol. Puis elle a une deuxième fonction, ça c'est les bactéries qui la font. Elle minéralise la matière organique, c'est-à-dire cette matière organique très compliquée qui a été digérée par les vers de terre, elle va la minéraliser, la transformer en nitrate, sulfate, phosphate qui nourrissent les plantes. D'accord ? Donc c'est deux fonctions différentes. Si vous mettez trop d'azote dans les sols, vous favorisez la minéralisation et vous faites disparaître l'humus. D'accord ? Et s'il n'y a plus d'humus, les vers de terre, ils n'ont plus rien à manger, ils disparaissent.
Et ce sont les vers de terre qui sont à l'origine d'un bon sol, parce que vous dites qu'ils font remonter, ils font remonter toutes ces matières nécessaires à une bonne agriculture. Oui, les vers de terre, quand vous êtes sur, vous vous promenez, on parle des turricules de vers de terre. Et bien, dans ce turricule de vers de terre, vous avez plein d'éléments. Vous avez tous les éléments. Et quand on perd cette faune, parce que c'est celle qu'on voit, en fait, on va, Claude parlait de la destruction des vers de terre, mais de la faune. Quand on a perdu ça, en fait, l'agriculteur devient un pollueur. Et ça, c'est aussi très, très difficile pour l'agriculteur d'accepter ça. C'est quand il a tué son sol au niveau de sa vie, eh bien, les éléments vont descendre le long du profil, ils ne seront pas retenus, et ils vont polluer. Donc, tout le monde a entendu parler de la pollution des nitrates. Moi, quand on était... Enfin, nous, quand on était à l'INRA, en 1980, la dose qui était acceptée était de 30 mg par litre. Et quand on dépassait 50 mg par litre dans les eaux de souterraines ou les eaux de robinet, en fait, le maire était tenu de dire, bah, écoutez, on est au-dessus de 50 mg par litre, faites attention aux enfants, faites attention aux personnes âgées, il vaut mieux boire de l'eau en bouteille. Et dans les années, je ne sais plus trop, je crois que c'était avant qu'on parte aux États-Unis, plutôt d'essayer de comprendre pourquoi on dépassait toujours ce seuil critique de 30 mg par litre, eh bien, on a dit on va augmenter le seuil. Donc, on est passé à 50 mg par litre. C'est la dose qui est acceptée à l'heure actuelle. Et on prévient le maire quand on dépasse 100. Donc, ce qui est incroyable, et à l'époque, il faut savoir que les nitrates, quand ils descendent le long de cette nappe phréatique et va polluer, en fait, ce n'est pas ce que vous avez mis le matin ou le lundi que vous allez voir le mardi ou le mercredi. Non, il faut plusieurs mois, plusieurs années pour que ça descende dans le profil. Donc, plus on a augmenté, c'est quelque chose qui était, on va dire, à retardement. Et les agriculteurs ont continué à mettre des nitrates puisqu'on leur a dit. Et ça, c'est quelque chose en agronomie, enfin, dans l'agriculture, qui est extrêmement... qu'on n'a pas du tout dans l'industrie, c'est qu'on ne donne pas la clé total aux agriculteurs. Les marchands, ces multinationales sur lesquelles on se bat depuis des années, ne donnent qu'un côté, un volet de l'histoire. On a dit aux agriculteurs, vous allez mettre des nitrates, vous allez avoir plus de rendement. Ce qu'on a oublié de dire à l'agriculteur, c'est que ça fonctionnait parce que nos grands-parents, les anciens, avaient respecté les sols, les avaient, on va dire, cultivés en bon père de famille. Et ces engrais utilisaient, ce que vous a dit Claude tout à l'heure, la matière organique, l'humus. Et ça a permis effectivement d'augmenter les rendements. Mais en fait, ces engrais brûlent, consomment très très vite cette matière organique, parce que ça donne à la plante les aliments. Et on s'est bien gardé de dire aux agriculteurs, si vous voulez continuer à gagner des rendements, il faut mettre de la matière organique. Donc on a enlevé tout ce volet. Donc les agriculteurs n'ont pas mis de matière organique, ont mis des engrais, et ont complètement appauvri les sols. Donc on a eu pollution, on a pollution. On parle des nitrates, mais il n'y a pas que les nitrates. Ça, c'est l'iceberg qui cache bien d'autres choses, puisque ça entraîne bien d'autres éléments embêtants. Et puis on arrive à un stade qui est beaucoup plus grave, et ça nous alerte beaucoup. C'est la destruction que vous voyez tout le temps, les rivières pleines de boue, les glissements de terrain, la route qui est envahie de terre, et tout le monde vous dit c'est à cause de la pluie. C'est toujours à cause d'autre chose. C'est pas la pluie qui est responsable du glissement de terrain de la terre. C'est qu'en fait le sol, du fait de la perte de ces éléments, va perdre sa structure et les argiles vont être libérées. La matière organique se trouve isolée. C'est comme si mes deux bras, ils sont au niveau de mon corps. Et mon corps a disparu. Donc, j'ai plus de mon bras, il part d'un côté. Mon autre bras part de l'autre. Et ça, c'est entraîné par l'eau. C'est entraîné par la pluie. Ça descend, pour peu qu'on ait un petit peu de pente, ça descend. Et il faut savoir que quand vous avez de l'eau, elle n'est pas érosive. L'eau... on dit que la force érosive, la force de dégradation du sol pour l'eau est liée au carré de sa densité. Bon, la densité de l'eau est à 1, le carré de 1, ça fait 1. Donc quand il pleut,
même dans une, par exemple, une forêt en pente, vous verrez, l'eau sort toujours pure, sans rien dedans. Donc c'est vrai qu'elle fait des traces, c'est vrai que si vous l'avez dans votre maison, ça va décoller les papiers peints. Mais dès que vous remontez de l'argile, vous allez augmenter, vous allez mettre en suspension un élément dans cette eau. Cette eau va donc, sa densité va augmenter, va par exemple arriver à 2, 2 au carré, ça fait 4. À ce moment-là, cette eau va être capable de sortir de la terre des cailloux. Ces cailloux vont monter la densité à 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir arracher des blocs. Ce bloc va pouvoir arracher des maisons. Ces maisons vont pouvoir arracher. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc là, l'augmentation de ces désastres écologiques est liée à l'agonie de nos sols. Donc plus on ne s'occupera pas de ça, plus vous aurez ce qu'on voit à l'heure actuelle. Dès qu'il se met à pleuvoir, les gens disent « Ah ben oui, il y a eu érosion ». Eh bien, en fait, c'est la mauvaise gestion des sols. Voilà. Oui, vous dites que l'agriculture moderne a inventé les inondations. Oui, c'est une création de l'agriculture industrielle. Oui. Avant, il y avait des inondations d'eau pure. Des maisons mouillées, il y en a toujours eu des maisons mouillées. Mais là, vous avez des maisons qui sont dégradées, vous avez des voitures qui sont emportées par de l'eau. Ça. Pour que de l'eau pousse des voitures, il faut qu'elles soient très chargées. Une eau transparente, elle ne vous bougera pas une voiture, elle la mouillera. Bon, votre moquette de voiture sera mouillée, mais ça s'arrêtera là. Elle n'a pas une densité très élevée, l'eau. Hein. C'est parce qu'elle est chargée qu'elle fait du dégât. Il faut savoir que l'agriculture, c'est le métier qui a perdu le plus de mots. Hein. En 50 ans, l'agriculture a perdu 4000 mots, ce qui est énorme hein, dans une activité économique. Perdre 4000 mots, ça veut dire vraiment un appauvrissement du métier qui est énorme. Ça s'est fait justement parce qu'on a remplacé une complexité par un modèle ultra simpliste qui était l'engrais chimique et puis le pesticide. Donc du coup, les agriculteurs ont perdu cette notion de rotation, d'association. Ils avaient plein de mots extrêmement intéressants. Par exemple, vous interrogez en ce moment les gens, à quoi servait la houlette du berger? Il y a combien de personnes qui vont pouvoir répondre? À quoi elle servait la houlette du berger? Comment? Voilà, envoyer des modes de terre pour que le mouton qui ne rentrait pas bien dans le champ puisse se guider, parce que il pouvait la lancer très loin grâce à ce grand bâton qui avait une espèce de cuillère au bout. Il lançait des modes de terre pour guider ses moutons. Mais vous avez maintenant des gens qui élèvent des moutons qui savent plus ce que c'est qu'une houlette. Vous voyez, on arrive à des choses étonnantes. C'est des pertes réellement de savoir. Vous dites même qu'en Turquie, un berger qui se fait bouffer un mouton par un loup, on se moque de lui. Ah bah là, il n'ose plus rentrer au village. C'est la honte absolue. Il n'y a qu'un seul berger au monde qui ne sait pas cohabiter avec le loup, c'est le berger français. En Italie, quand les Italiens ou les Espagnols entendent parler des bergers français qui se font manger des moutons par les loups, ils disent « Mais vous êtes sûr que vous avez encore des bergers en France ?» Parce que pour eux, c'est la honte absolue. Le loup n'est pas un animal agressif, c'est un animal qui suit les troupeaux de loin, il attend qu'une bête tombe malade, et il sait que si elle est malade, le berger ne pourra pas manger tout le mouton, donc il y en aura pour lui. Mais c'est jamais une bête qui attaque, hein. Jamais, jamais. Le gros des moutons qui meurent dans les Alpes, c'est parce que le mouton, il y a deux choses. Ou vous êtes dans une zone où il n'y a pas de loup, et vous l'entourez de fils de fer pour qu'il ne se sauve pas, parce que c'est un animal un peu stupide. Il y en a un qui part, tout le monde part sur la route, ils sont tous écrasés. Ou vous êtes dans une zone où il y a des loups, et à ce moment-là, il faut, et que vous voulez pas avoir de. Vous êtes dans les alpages, par exemple, et vous voulez pas les entourer de barbelés, parce que c'est trop compliqué. À ce moment-là, tous les soirs, les moutons doivent être rentrés. Et ça, c'est le travail du berger. Hein, c'est écrit dans la Bible. Le bon pasteur n'abandonne pas un seul de ses moutons, et tous les soirs, vous les rentrez, vous mettez les chiens autour, et aucun loup ne s'en approchera jamais. Et c'est ce que font encore l'essentiel des bergers, sauf les bergers français qui ont perdu le savoir de leur métier. Oui, alors c'est complètement hallucinant comme histoire, hein, parce qu'on s'imagine que... C'est-à-dire que quand ils se font bouffer un mouton, c'est des manifestations. Oui. Hein, et il y avait une actualité ce mois-ci, les agriculteurs ont manifesté contre une directive européenne contre les nitrates. Alors moi, je n'ai pas très bien compris. Alors est-ce que l'Europe a décidé de diminuer les nitrates ou alors est-ce que... En quoi ça gêne les agriculteurs et pourquoi les agriculteurs ont manifesté? Alors d'abord, il faut savoir qu'en Europe, vous avez une directive sur l'air, vous avez une directive sur l'eau, il n'y a aucune directive sur les sols. Vous pouvez mettre tous les poisons que vous voulez sur les sols, il n'y a aucune directive là-dessus. Alors par contre, il y a une directive nitrate, effectivement, vous n'avez pas le droit de donner aux citoyens une eau qui... C'est ce qu'a dit Lydia, quoi. Donc pour ça, bah, évidemment, il faut en mettre moins, et pour en mettre moins, il faut que le sol soit vivant. Donc à partir du moment où on a poussé les agriculteurs vers un modèle qui fait que les nitrates vont dans les nappes, évidemment ils râlent parce qu'ils disent « Attendez, c'est pas nous qui avons créé ce modèle, ça a quand même été financé par la PAC, c'était financé par les impôts des citoyens européens, c'est pas nous qui avons demandé de mettre tous ces pesticides, tous les engrais, ça nous a été presque obligé par la communauté. Alors maintenant on nous accuse de polluer, mais attendez, c'est quand même la PAC qui a poussé ce modèle-là.
Hein, donc ils se sentent complètement acculés, accusés, alors que ce n'est pas eux qui ont demandé ce modèle. Ça a été imposé par la société, il faut quand même le savoir. Hein. Lydia, la réflexion là-dessus, on est dans un cercle vicieux, quoi. Oui, on est dans un, c'est sûr, un cercle vicieux, et je crois que ce que vous, la manifestation dont vous parlez, moi, on était en déplacement et j'ai vu juste une petite chose, une agricultrice qui était dans une rage incroyable et qui en fait a vomi sur les agriculteurs écologiques et sur l'écologie et les écologistes. Vous commencez, enfin, je passe les détails. Et c'est incroyable parce qu'on est toujours en opposition. Et on ne peut rien faire tant qu'on est contre quelque chose. Il faut être avec. Et cette agricultrice disait, je ne comprends pas pourquoi on accuse les agriculteurs. Il n'y a qu'à regarder en ce moment, il y a moins de nitrates dans les nappes phréatiques. Peut-être dans certaines zones, mais quand vous allez en Bretagne, et nous on travaille assez souvent en Bretagne, je veux dire, on est dans un cas qui est complètement dément. On dit aux agriculteurs, pompez la nappe phréatique. Il y a certains endroits, vous avez 300, 400 unités d'azote. Quand je vous ai dit qu'on tolère 50, c'est une valeur. Hein. C'est comme si vous avez 100 grammes, et puis dans l'autre, vous avez 400 grammes. On dit à l'agriculteur, pompez la nappe phréatique et arrosez directement. Vous allez brûler vos blés, tellement il y a d'azote. Donc en fait, la nappe phréatique est dangereuse. Et après, on dit, ah ben il y a des algues vertes. Et les algues vertes, c'est un coût pour les agriculteurs, mais pour les citoyens. Et en fait, on accuse toujours quelque chose, on ne veut jamais, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre, il faut travailler à la base, il faut reprendre les bases de l'agriculture, accepter qu'on ne peut pas faire, et ça c'est très très dur à faire comprendre, les agriculteurs disent, ah ben écoutez, je suis subventionné pour faire du blé, la France d'ailleurs maintenant, vous vous baladez en France, eh bien, on n'a plus que du blé, du maïs, hein, et puis c'est tout. On a perdu énormément de cultures parce que c'est les seuls, pratiquement, et du colza. C'est subventionné par la PAC. Donc l'agriculteur dit, je suis subventionné par la PAC, donc j'ai mon revenu garanti, ce que je comprends quelque part dans un sens, mais en fait, et on lui dit, mais attendez, votre sol, il n'a pas, et nous on parle de vocation, votre sol, il n'a pas de vocation pour faire du maïs. Vous pouvez peut-être faire du sorgho, mais votre maïs, vous allez être obligé d'irriguer. En irriguant, vous allez diminuer la fertilité de votre sol, donc vous allez la tête dans le mur. Il dit, ah ben le sorgho, comment voulez-vous que j'en fasse? On dit, vous n'allez pas irriguer, ça sera mieux pour votre sol, donc c'est mieux adapté. Et il dit, ah mais oui, mais moi, aucune COP va me l'acheter. Donc il se trouve avec une culture qui est intéressante pour son sol, mais que personne ne veut acheter. Il n'y a pas de filière sorgho. Donc on marche sur la tête, donc on préfère détruire les sols, ne pas faire à coup de l'irrigation, c'est une catastrophe écologique, il faut savoir que l'irrigation, tout le monde demande de l'irrigation. On va parler de deux cultures qui ne nécessitaient pas d'irrigation, la vigne et l'olivier. Vous vous promenez, la France retient dans les AOC, mais l'olive non, vous vous promenez en France, enfin, on travaille en France, tout le monde demande de l'irrigation. Alors que c'est un problème de sol et vous allez dans le monde, eh ben, c'est l'irrigation. L'irrigation est responsable de 75% de la désertification des sols. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que quand vous irriguez, eh bien, l'agriculteur, il pompe la nappe phréatique. Je vous dis, en Bretagne, vous pompez une nappe phréatique qui a 400 unités d'azote et d'autres produits, ben, vous les remettez sur le sol. Vous déposez un sel sur la terre, vous salinisez, on parle de salinisation des sols, et à ce moment-là, votre terre devient inculte, devient complètement... on ne peut plus cultiver dessus, on va déplacer des cultures, bon, on ira vers du colza, puis après on ira vers des cultures qui vont accepter plus la salinisation, et puis à un moment, eh ben, il n'y a plus rien qui pousse. Et le modèle actuel de la PAC, des agro-industries, c'est demander de l'irrigation. Alors qu'il faut travailler autrement, il faut regarder le sol et se dire, ce sol, comme nous, on est tous différents, il y a des blonds, des bruns, des petits, on s'habille, on est français, ou on est allemand. Et en fait, chacun a sa diversité. Et bien, les sols,
Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. On a chacun leur diversité. Et vous avez des sols qui peuvent faire du maraîchage. Et c'est des très bonnes terres à maraîchage. Et bien, vous avez des sols pour faire de la vigne. Mais ces sols à vigne ne vous feront jamais de grandes céréales. Ben voilà. Si on commence comme ça, on aura déjà beaucoup plus avancé. Parce que l'agriculteur sera moins obligé d'intervenir sur son sol. Il aura une adéquation du produit. Mais à ce moment-là, il faut travailler en subvention à la qualité et non pas à la quantité. À ce moment-là, c'est politique, ça. C'est pas l'agriculteur qui est dedans. Alors, vous allez pouvoir poser des questions, évidemment, c'est quand vous voulez. Juste pour enchaîner, vous parlez de qualité et de quantité. On s'aperçoit que l'agriculture intensive, finalement, ne produit pas tant que ça, enfin, ce qu'on appelle intensif, et ne nourrit pas plus de monde, bien au contraire. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez cette notion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut bien distinguer la différence entre une productivité par agriculteur et une productivité au mètre carré. Ce n'est pas du tout la même chose. Les gens croient que nous sommes dans une agriculture intensive. C'est complètement faux. Nous sommes dans une agriculture qui a une forte productivité par paysan. Un céréalier du bassin parisien peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous regardez la productivité qu'il fait au mètre carré, elle est très faible. Si vous la comparez par exemple à un paysan maya qui fait pousser son maïs avec le haricot qui s'enroule sur le maïs et les courges, sur le même mètre carré, ce paysan produit en même temps du maïs, du haricot et de la courge. Il a une productivité très 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 supérieure au céréalier français. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de moissonneuse-batteuse qui ramasse en même temps les haricots, les maïs et les courges. Dommage, hein ? C'est-à-dire que l'agriculture hautement intensive, elle est paysanne, mais elle est manuelle. Et si nous généralisons l'agriculture industrielle, déjà dans l'état actuel, il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent plus, c'est autant qu'il y avait d'habitants en 1800, jamais autant d'hommes n'ont souffert de la famine qu'en ce moment. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde le résultat de cette agriculture intensive, c'est que dans les pays dits en voie de développement, on perd à peu près 40% de la production agricole par mauvaise conserve des aliments, c'est-à-dire les souris, les insectes qui mangent les blés. Et dans notre société, nous jetons entre 40 et 50% de la nourriture à la poubelle. Un pays comme la France jette en pain la consommation de pain du Portugal chaque année à la poubelle. C'est-à-dire que curieusement, ces deux méthodes paysannes, traditionnelles, sans moyens, pauvres, perdent par les attaques des insectes et de la souris. Et nous, qui sommes hyper performants, nous jetons à la poubelle 40 à 50% de notre alimentation. On arrive exactement au même résultat. Il n'y a strictement aucun progrès. Strictement aucun progrès. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, nous avons, dans un pays comme la France, perdu 92% de nos agriculteurs en 50 ans et nous ne mangeons plus. La France, l'Europe est le premier importateur mondial d'aliments. C'est-à-dire que nous importons nos fruits, nous importons notre viande, nous importons nos légumes. Nous ne pouvons plus nous nourrir. Nous sommes incapables de nous nourrir en Europe. Et les choses vont commencer à devenir compliquées. C'est qu'un pays comme la Chine, qui jusqu'alors se nourrissait, est maintenant le deuxième importateur mondial d'aliments, parce que les Chinois sont en train de faire, comme nous, une vaste départ de leurs paysans vers les villes. La Chine perd 30 millions de paysans chaque année. C'est énorme pour faire fabriquer nos chaussettes, etc. Donc c'est la bien Chine ne 30 millions. Plus. 30 millions. 30 millions tous les ans. La Chine ne se nourrit plus, donc elle est le deuxième importateur mondial d'aliments. Quand l'Inde commence l'industrialisation de son agriculture, ça va être encore 1 milliard d'hommes qui vont être obligés d'importer de l'aliment. Et là, c'est pour vous donner une idée, en 1984, nous avions 2 ans de réserve alimentaire, nous n'en avons plus que 17 jours. Donc, ça va très très mal. Les gens, je crois qu'ils ne réalisent pas du tout dans cette société d'abondance l'épée de Damoclès que nous avons à cause de l'agriculture industrielle. Alors moi, je voudrais rajouter une chose, parce que ce qu'on nous dit tout de suite, et je rebondis, c'est vrai que la Chine veut commencer à manger de la viande et tout, et la première chose qu'on entend toujours, les personnes nous disent, à ce moment-là, on n'a qu'à faire une humanité végétarienne. Et bien là, ça non plus, ça ne va pas. En fait, on a besoin d'un équilibre agronomique, sylvo, la forêt, et pastoral, l'animal. Si toute la planète devient végétarienne et n'a plus d'animaux, les quelques animaux sauvages, mais il en reste très peu, eh bien, à ce moment-là, on va détruire notre planète. Les excréments de nos animaux sont indispensables pour faire de la matière organique pour nos sols, pour faire le fumier, ce que faisaient les anciens. Les anciens, leurs vaches, ils avaient le tas de fumier qui était devant la ferme. Fumier, pourquoi ? Parce que ça fume. Et ce produit, en se dégradant, grâce à la température et aux champignons et aux micro-organismes, était restitué au sol pour mettre de la matière organique et ça permettait, c'était le cycle complet. Si on arrête totalement ça, et ça à chaque fois c'est un véritable combat entre les gens qui disent
faut arrêter de manger de la viande. On en mange trop, ça c'est clair. Les feedlots qu'on voit aux États-Unis sont inadmissibles. Par contre, manger de temps en temps, on a des bêtes qui vont... en zone de montagne, vous ne pouvez pas faire de céréales, vous ne pouvez pas faire de jardin. Il y a des zones sur la planète où la seule possibilité de culture, mais d'agriculture, c'est le pastoralisme. Tous les causes, c'était le mouton. On a abandonné ce pastoralisme et la forêt est en train de se refermer. C'est quelque chose d'inadmissible. Donc c'est incroyable ce côté, c'est le balancier, on va dans un excès dans l'autre et là on dit qu'il faut que tout le monde soit végétarien et végétalien. Ça ne marche pas comme ça. On est sur un équilibre et on a besoin des trois. Par contre, c'est vrai que là, on mange beaucoup trop de viande. Mais c'est impossible de penser que l'on peut aller à une alimentation sans bête. Et par exemple, en Inde, on va prendre cet exemple, l'Inde est végétarienne, ça c'est sûr, on a travaillé longtemps, plusieurs fois en Inde, mais ils ont des vaches qui sont les vaches sacrées, et ce sont les vaches qui travaillent. Donc, leurs excréments sont utilisés. À l'heure actuelle, avec nos techniques, on arrive, mondialisation. Donc les Indiens préfèrent effectivement le tracteur, le machinier. Donc on est en train de tuer ces animaux, bon, de leur belle vie, et il n'y a pas restitution du troupeau. Si on pousse au maximum très loin, les Indiens ne mangeront pas de viande, eh bien ils sont en train d'appauvrir nos sols. Donc en fait, il faut bien penser qu'on est dans un équilibre, tout est indispensable.